Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve à Aïda dans le Massif Central accompagné de Stéphane, donc revendeur CCM. Voilà, si tu peux te présenter en quelques mots. Ouais, bonjour, donc moi c'est Stéphane Mézard, j'ai 52 encore, bientôt. Et je m'occupe donc de la marque CCM depuis 3 ans. Et je suis un ancien pilote de la marque en fait, donc je connais bien l'histoire depuis les années 70. Donc c'est une marque à 50 ans. Cette année. D'accord. Voilà. Et donc, je m'occupe de la distribution, de la commercialisation. En attendant qu'on ait la version Euro 5, on a commencé à distribuer une cinquantaine de motos par an, à peu près. Voilà. Donc, je reçois, là où tu es ici, donc dans le gîte, dans le showroom, je reçois des clients un petit peu toute la France qui prennent rendez-vous et qui veulent voir et essayer éventuellement une machine. Donc, j'ai des gens qui viennent de Calais, de Lille, de Aix-en-Provence, de Paris, qui viennent un petit peu de partout. Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument passer par un essai pour valider une commande. D'autres qui sont parfois plus loin, donc eux achètent sans les essayer. Et donc voilà, j'ai un petit peu tout type de clients. Mais après, j'ai plutôt une belle clientèle. On est sur des véhicules qui sont artisanaux, donc fabriqués à la main, en petite quantité. Avec des belles pièces, ouais. Voilà, donc c'est des machines qui sont en général entre 150 et 300 unités par modèle. Donc ils configurent les véhicules sur le site internet CCM. Et vous comptez entre 6 à 8 mois à peu près de délai. D'accord. Pour avoir une machine dans son garage. Et il y a plusieurs styles de bécanes, c'est ça? Tu as Scrambler, enfin un Bobber. On a par exemple là au fond, là-bas, on a un Scrambler. Donc une version vraiment typée tout-terrain avec des pneus crampons. Vraiment un truc qui est censé faire du off-road, mais tu sais comme moi qu'il y a très peu de machines qui font réellement du off-road. Après, on a plutôt des machines typées Bobber, avec donc des low pipe, des pots plutôt bas, des pneus flamblants. Une assise courte, tu vois, un petit peu différente. Là, t'as un café racer qui a été fabriqué à 250 exemplaires dans le monde. Bon, tu vois, il n'y en a eu par contre que 2 d'immatriculés en France. C'est oui. Voilà. À côté, t'as un autre café racer qui est tout en carbone, qui est une pièce unique parce qu'elle a été fabriquée pour un client de manière spécifique. Il faut savoir qu'on a un atelier maintenant de préparation dans lequel on a vraiment les clients qui veulent une moto vraiment un petit peu atypique ou quelque chose de particulier. On arrive en fonction de leur demande à répondre à des demandes vraiment très particulières. Quoi. Et en termes de motorisation Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, on a toujours un châssis similaire avec un moteur similaire. Et après, tout va se jouer sur les fourches, les diamètres de roues, les parties arrière, puis pour modifier un petit peu les guidons. Donc autour d'un moteur et d'un cadre, on arrive à avoir plein de motos différentes. Tu parlais des modèles, on a aussi des modèles typés un peu flat track avec des roues en 19. Voilà, enfin, je pourrais t'en faire voir une si tu veux faire 2-3 images tout à l'heure. Puisque tu sais, comme enfin, je fais le championnat de France de flat avec une CCM qui est standard, simplement un petit peu dépoilé, allégé, on fait le championnat avec ça. Voilà, donc c'était OK maintenant. On va sortir une moto et puis je vais t'emmener faire un petit peu ce que je vais faire à mes clients, donc la découverte un petit peu du secteur et des machines. On va aller boire un petit coup au lac et puis on va se promener un peu. Quoi. Bah allez, c'est parti, on s'équipe. Allez. Bon alors nous voilà à bord de cette CCM version Bobber. Donc tu vois, comme Steph a dit, hein, donc là t'as un gros 600 mono qui délivre 55 chevaux pour 58 Nm de couple. Il faut savoir que la bécane, eh ben, elle pèse tout juste 140 kg tout plein fait. Donc tu as une bécane très très légère. Bon, qui dit gros mono dit vibration
Et c'est ce qui lui donne ce côté atypique et ce charme à l'anglaise. Tu vois, on a fait des plans extérieurs de la bécane avec ce vert bouteille pailleté qui est tout simplement magnifique. On retrouve ce caractère si typique du mono. Ça vibre, c'est coupleux à souhait. Un moteur qui a du caractère, du couple. Bon, sur ce compteur, tu as quand même pas mal d'infos. Tu as ton rapport de vitesse engagée, ta température moteur, ta vitesse, ton contour. Bon, il est très lisible, il fait le taf. Bon, l'échappement en inox, autant te dire que ça fait un bon petit bruit. Ah ouais, ça t'offre des bonnes reprises, des bonnes relances pour cruiser sur les routes vers chez nous. C'est juste parfait. Une bécane comme ça, tu vois, c'est tellement envoûtant. Tu la prends, tu te fais une petite balade sur les petites routes de campagne parce que c'est hyper maniable, tu vois. C'est... Regarde, on va ouvrir en grand. Oh là là! T'as que 55 chevaux, mais je t'assure, t'as pas besoin de plus. Et puis ce cadre, regarde, c'est magnifique. Une bécane de rêve, des paysages de rêve. Qu'est-ce que tu veux de plus, franchement? Donc tu vois, comme disait Stéphane, t'es un client lambda. Donc t'as les mêmes privilèges que moi. Tu vois, tu viens sur place, tu viens essayer la bécane, tu fais un petit tour avec lui, et comme ça tu te rends compte de la bécane, tu visites, tu as des beaux paysages, tu vois, vers chez nous dans le Massif Central. Et à la fin, et ben, comment ne pas vouloir signer ton bon de commande pour la bécane, quoi. Voilà, la boîte de vitesse, elle verrouille bien, il n'y a pas de problème, tu as un petit embrayage hydraulique, le freinage c'est pareil, les suspensions c'est ferme, mais tu sens que tu peux la placer comme tu veux. Bon, après, les têtes de fourche et la fourche, ainsi que les pneus, tu sens que la bécane, faut l'amener dans les virages. Mais voilà, quoi. Après, tu as zéro assistance électronique. Ça, faut le savoir. T'as pas d'EBS, t'as pas de traction control, t'as pas tout ça. Mais bon, on s'en fout. Donc t'as intérêt à faire gaffe quand tu rétrogrades sur les gros rétrogradages, de pas bloquer la roue arrière vu que c'est un mono et que t'as vachement de fin moteur. Mais donc tu vois, d'habitude sur mes vidéos, on parle des qualités et des défauts de chaque bécane. Bah là, en qualité, t'as l'exclusivité d'avoir une bécane unique avec de très très belles pièces. Bon, après, tu vois, tu as plusieurs versions, la Blackout, la Bobber, la Café Racer, c'est des motos à la carte, tu rajoutes les options que tu veux, et ça, c'est parfait. Donc, faut savoir que cette bécane, donc le Bobber, c'est à partir de 15 000 euros, enfin même la Blackout, et après, bah, c'est des options que tu rajoutes. Donc, franchement, pour moi, rien n'est déconnant, le prix est justifié, parce que tu vas acheter une BM 90 ou autre, et ben c'est plus cher. Bon, certes, là t'as qu'un 600 mono, mais bon, t'as une pièce qui est unique, des pièces en carbone, des têtes de fourche en alu taillées masse, enfin t'as beaucoup de pièces. Tu t'arrêtes sur des détails, enfin c'est simple, chaque petite pièce, chaque partie de la moto, c'est des pièces unique et limite de l'orfèvrerie, tu vois. C'est un gros bijou sur roue. Alors moi, tu me poses la question, est-ce que je pourrais être client de ce genre de moto? Et ben oui, ça correspond tout à fait à mon style et puis à mon utilisation. Et puis tu vois, ce moteur là, tu peux rouler pépère, tu passes tes vitesses, bam, t'as suffisamment de couple pour relancer, pour rouler à la cool
Et ça, on aime. Bon, en termes de défauts, moi, le seul truc que je lui trouve, c'est les repose-pieds. Tu vois, en alu, j'ai les pieds qui ont tendance à glisser dessus. Bon, après, j'ai des godasses avec des semelles lisses, donc voilà, ça aide pas non plus. Et mon avis est complètement bidon à cause de ça. Mais voilà, après, pour un mono, tu vois, c'est bizarre, mais ça cogne pas comme les monos de maintenant. Tu prends un 701, tu sais, ça cogne. Là, tu passes tes vitesses, regarde. Attends, on va se mettre, regarde, on va se mettre en 6, tu vois, à 50. J'abuse, hein, je suis à 2000. Hein. Là, ça cogne à peine, mais vraiment à peine. Et tu vois, tu te mets en 4 à 50. Alors tu reprends tranquille. Franchement, agréablement surpris. Ouais, c'est ce que tu disais, tu as une bécane qui est facile, qui est légère. Bon, après, avec ces pneus, c'est vrai que faut vraiment l'amener un peu comme une Ducat. Bon, toujours cette référence, bon, en même temps, c'est ce que j'ai dans le garage. Mais tu as un bon moteur, un gros 600, un mono, et il cogne pas. Enfin, moi, c'est magique, quoi. Le bruit, les vibrations, enfin, tout, c'est... Ouais, c'est ce que je te disais, ça se conduit un petit peu comme un bicylindre parce qu'on a travaillé beaucoup sur le bas régime et comme il est très coupleux, il faut passer assez vite les vitesses. Ouais. Mais par contre, malgré tout, tu as quand même un peu d'allongement. Ouais, ouais. Ben, je tiens à te remercier en tout cas pour l'accueil que tu m'as apporté et m'avoir permis d'essayer cette bécane. Quoi, quand même, c'est un privilège. Et tu as des réseaux sociaux, quelque chose? Ouais, ben moi je travaille beaucoup avec ma page personnelle, hein, ouais. Stéphane Mézard sur Facebook. D'accord. Après, on a une page CCM Motorcycle France. Ouais. Honnêtement, elle n'est pas très active parce que j'ai beaucoup plus de résultats avec ma page perso. D'accord. Et après, de toute façon, tout ce qui va être envoyé en email à l'usine via le site internet CCM Motorcycle, tout ce qui concerne la France revient automatiquement vers moi, donc il communique mes coordonnées et tout. D'accord. Ouais, de toute façon, je mettrai tous les liens de ces comptes. Dans la description avec ou en bas là. Avec le mail aussi, ouais, c'est peut-être voilà, ça. Ouais. En tout cas, et ben voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Sur ce, bonne journée. Tchuss les mecs. Ciao.